ma voiture. C'est pas ta voiture. Tu es si possessif. D'accord, c'est notre voiture, mais pas la sienne. Suivons-le. J'espère que les gars de Chan m'attendent à l'embarcadère. Colors weave into a spire of flame. Distant sparks call to a past still unnamed. Light as torch against the cold of the night. Set your soul and reawaken the undying light. Eh bien, salut tout à tous, c'est pas Alex, on se retrouve pour ce tout nouvel épisode de notre aventure sur LEGO City Undercover. Je fais une petite intro juste pour parler deux secondes. Il n'y a pas la cam, c'est normal. Voilà. Non, globalement, il n'y a pas la cam. Vous inquiétez pas. Chauffeur, mauvaise nouvelle. Mes gars ne sont pas encore à l'embarcadère. Oui, je vois ça. Ils sont en retard. Et quand je dis en retard... Ils sont encore assis sur leur derrière ici. Oh, ils viennent de partir. Sur qui je vais crier maintenant? Ils seront bientôt là, hein? Je pense, oui. Attention à ce que le buggy lunaire ne soit pas abîmé avant qu'il n'arrive. Bon, je vais aller dans la rue et hurler sur le premier venu. A plus, chauffeur. Ok, donc... Globalement, pour la cam, vous résumez ça très simplement. J'ai eu un petit accident, on va dire. Rien de grave, pas de panique. Mais du coup, voilà, pour des raisons de non-problème, je ne préfère pas mettre la cam. Donc du coup, on se retrouve du coup pour ce... Oula, pour ce tout nouvel épisode de notre aventure sur LEGO City Undercover. J'espère que vous allez bien. Et enfin... Faut juste que je tienne en fait le temps. J'y crois. Donc voilà. Dans le dernier épisode, qu'est-ce qu'on avait fait? On était arrivé chez les astronautes. Donc ça, c'est cool. Votre attention, ici la sécurité. Retournez tous à la base. Parfait. En tout cas, j'espère du coup que vous allez bien. Et encore une fois, voilà, pas de panique. C'est pour ça que j'en parle très brièvement, c'est pas de panique. C'est juste que, globalement, je ne veux choquer personne. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas la cam. C'est tout. Tac, on va réactiver d'ailleurs. Voilà. Bonjour, monsieur. C'est pas trop tôt, les gars. Prends le relais maintenant, pas la peine de nous suivre. Ok, bon, on entame le chapitre 8. McCain, êtes-vous à proximité du centre-ville? Oui, chef. Pourquoi? On vient d'apprendre qu'un gang essaie de kidnapper Forrest Blackwell. Ils le détiennent au sommet d'un building près du musée des sciences dans le centre-ville. Je m'y rends, chef. Est-ce que des renforts ont été envoyés? Oui, mais ils n'y seront jamais à temps. Alors dépêchez-vous! Je n'ai vraiment pas envie de me mettre Forrest Blackwell à dos. Ok. Bon, il va. On y va. Alors que j'ai l'impression que ça lag. Enfin, que ça lagouille, non? On est d'accord pour dire que ça lagouille. Ouah, c'est de l'autre côté. Excuse-moi. Bon, vous l'avez vu, c'est une urgence.
Tac. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des petits lags par moment, c'est fou. Je ne sais pas. Bizarre. Ok, on est arrivé. Ah, j'ai besoin d'un change couleur bleu. Où est-ce que je vais pouvoir trouver ça? Alors déjà. Ok, tac. Un change couleur bleu. Ça c'est quoi ça? Non, c'est un passage piéton. Rien à voir. Ok, là. Tac. Hop. En CP à l'intérieur. Alors, on a dit du bleu. Ouais, il y a des lags, c'est fou. Faut que je lag comme ça. Faut qu'il y ait des petits lags comme ça. Tac. Ok, hop, allez, on monte. Oula, la caméra. Merci. Ok, on est arrivé à destination. Qu'est-ce qu'il faut faire? Du parcours. Super. Tac, tac, tac. Hop. Hop, on passe par au-dessus, on repasse par au-dessus, on saute. Allez, aidez-moi. C'est la quoi? On est en train de me kidnapper. Oh non. Contre mon gré. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et moi, je t'entends. À part mes kidnappeurs, je me dis. Oh. Est-ce qu'il fait vraiment kidnapper? Je m'excuse pour les espèces de lags qui semblent y avoir. Je sais pas si vous les ressentez. Tac. Allez. Salut. Voilà, alors. Tac, on prend l'astronaute, on a un code couleur du coup. Rouge, jaune, vert, bleu. Rouge, jaune, vert, bleu. Tac, on reprend la peinture. Tac. On continue. Vraiment. Ok. Vraiment. Faut que je saute. Je t'avais pas vu. Au revoir. Salut.
Wow! Oh, oh. Doucement, Chase, par contre. Tac, tac, tac. Ok, on avance. On avance, on avance, on avance. Ok, oui, par là, pardon. Pardon, 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 je n'avais pas vu. Ok. Tac. Ok. D'ici. Mon Dieu. Pourquoi le contremaître? Ok, c'est là-bas. Bon, on recommence. On recommence. Bon, ça devrait pas prendre longtemps. Ah oui, en plus. C'est ça qu'il nous faut la clé comme ça. Bizarre que ça ait... Enfin, en fait, il m'indiquait les pièces pour aller vers la brique de construction, non? Enfin, moi j'ai compris comme ça en tout cas. Tac. C'est pas grave, voilà, ça va quand même super vite, on le voit. Tac. Hop. Voilà, on est revenu ici. Bon, ça a été... C'est pas la pire perte de temps, on va dire, qu'on a connue. Oh, en plus, c'est là pour aller, non? On l'a fait? Ou on l'avait fait, pardon. Tac. Ici, on y a été. Allez, hop, voilà, on était ici. Mais regardez de la façon dont c'était fait, on aurait quand même dit que, bref, stylé. Hop, on monte. Moi, je récupère un peu toutes les pièces, vu que de toute façon, on a les moins à pièces. YOLO! Enfin, on n'a pas les mains à pièces, pardon, on a le... On a les multiplicateurs de pièces, donc ça devrait aller. T'as vu comment il a fait ça? Dave! Dave! Wow! Regarde! Un auvent! Si on était dans un film d'action, quelqu'un atterrirait dessus. Wow! Ça fait vraiment mal! Ma journée pourrait pas être pire que ça. Le ciel soit loué. Enfin de l'aide. Arrêtez ces sommes. Attrape-le. Tout ça. C'est eh bah. Donnez-lui une bonne leçon. Wow, 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 wow.
Ça, c'était un bel aller-retour. Époustez-vous un peu et retournez au combat, jeune homme. Tac. Il n'oubliera pas cette mésaventure de sitôt. Salut. Et salut. Excellent. Dans les règles de l'art. Dégage. Ok. Merci, jeune homme. Je pensais que c'en était fini de moi. Maintenant que je suis en service, monsieur. On ferait mieux de partir avant que leur renfort n'arrive. Ma voiture devrait encore être dans le coin. Désolé du retard, Chase. Enfin, on dirait que vous n'aviez pas vraiment besoin de nous. Je crois que je me sentirais plus en sécurité au commissariat, jeune homme. Ça ne vous embêterait pas de m'y conduire? Je tremble encore. Allez-y. Je dirai au chef que vous avez récupéré Monsieur Blackwell et qu'il est sain et sauf. Nous allons rester ici et embarquer les membres du gang. Merci. Je suis vraiment désolé. Je ne vous ai même pas demandé votre nom. Je m'appelle Chase. Chase McCain. On ne s'est jamais rencontré avant. Chase McCain. Eh bien, le monde est vraiment petit. Oui, c'est parce qu'on l'a... Vous savez, j'ai récemment parlé de vous à une connaissance. Oula. À propos du mal que vous vous êtes donné pour arrêter Rex Fury. Et elle ne pense pas que c'est Dandy qui l'a arrêté? Oh non. Certains parmi nous ont une vision bien plus claire des événements. Oula. Beaucoup moins biaisée. Il est regrettable que Rex soit de nouveau dehors. Qui sait ce qu'il manigance? Oui. Au fait, qui étaient ces types qui en avaient après vous? Je vous rappelle que lui, on l'a aidé en tant que... sous couverture. Il ne m'aime pas tellement. Et pourquoi ça? Vous n'êtes pas au courant? Je pensais que tout le monde le savait. C'est un déplorable malentendu que j'ai décidé d'oublier maintenant. Tout ce qui compte, c'est que vous soyez sain et sauf. Oui, c'est vrai. Je vais devoir en parler à mes agents de sécurité. Mmh. Je sens que notre affaire de double jeu, ça pue un petit peu, non? C'est joli par ici. Non, vous trouvez pas que ça pue un petit peu? On verra, mais... Je sais pas, je le sens mal. Une balade. Je le sens mal. Vous avez pris l'itinéraire touristique? Ouais, c'est ça. Oh, je l'ai raté. Quel monde sur la route. Mon Dieu. Mon Dieu. Oh, quelle adorable architecture. Ah, j'ai pas pris le bon. C'est bon. Oh, quelle magnifique journée. Hop, on est arrivé. Nous y sommes. Oh, monsieur Blackwell, je suis si soulagé de vous voir sain et sauf. J'en avais du mal à dormir. Merci encore, Chase. Vous dormez pendant vos heures de travail? Oh, eh bien, accompagnez-moi à l'intérieur. Merci. Chase McCain, au revoir. Je suis sûr que nous nous reverrons plus tard. Mais ça rimait. Ok. Un nouveau parcours acrobatique 2D bloqué. Si on en a envie, mais on va pas faire ça maintenant. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse là actuellement? Oh, on a la voiture de Monsieur Blackwell. Cool. Natalia. Je pourrais, je dis bien pourrais, avoir besoin de ton aide. Je n'ai pas réussi à trouver mon père dans les bureaux de Chan. Et? J'ai décidé de chercher dans sa case et je ne peux plus en sortir. Quoi? J'étais désespérée. C'est mon père, Chase. Et tu feras quoi si Chan t'attrape? Ça n'arrivera pas. Je suis trop bien cachée. Hé, hey, à qui sont ces pieds qui dépassent de sous mes rideaux? À l'aide! Natalia?
Natalia. Voilà, le moment où on se fait choper sous couverture, c'est maintenant. J'ai besoin de ton aide, et le chef ne doit pas le savoir. Je t'écoute. Natalia a des problèmes à la case de Chan, et j'aurais besoin d'aide pour la sortir de là. Natalia Kowalski, dans quoi t'es-tu embarquée? C'est une longue histoire. Tu peux m'aider? Bien sûr. Je connais une paire d'agents qui n'auraient aucun scrupule à agir dans le dos du chef. Je vais leur dire de te rejoindre à la casse. Je vais aussi leur demander de t'apporter un déguisement. Il ne faut pas que Chan te reconnaisse. Merci, Ellie. Tu peux pas savoir à quel point je te suis reconnaissant. Ça va vraiment passer. Pour moi, on va se faire cramer. Je vous le dis clairement. Pour moi, on va se faire cramer. On verra. Mais pour moi, on va être cramé. Tac. Ça, c'était pas ma faute. Il va falloir une bonne réparation. Allez, on y arrive. Allez. Tac, on passe par là parce qu'on est thug. Voilà. Vous avez vu ça un petit peu les thugs. Et on est arrivé. On est arrivé. Ok. Bon. Mais où sont mes renforts? Ils devraient déjà être là. Salut, Chase. Ok. Stutsky et Clutch à la rescousse. Où se trouve la demoiselle en détresse? La référence. La référence. Clutch, Stutsky, merci les gars. Natalia est dans la case de Chan. Le chef a fait arrêter quelques membres de son gang tout à l'heure. Mais il lui reste encore pas mal de gros bras. Vous avez un déguisement pour moi? Tu vas voir ça. C'est parfait, Stutsky. Vous êtes sûr? C'est Frank sans notre pote Huggy. Il a toujours bon tuyau pour se fraguer. Bon, allons sauver cette fille. Dépêche! La référence à Starky Hutch. Va falloir que j'enlève ces trucs. La référence à Starky Hutch est géniale. Très vite. Chan pourrait lui faire subir n'importe quoi pour lui soutirer des infos. Comme lui donner des glaces? Hein? Il va pas essayer de la soudoyer, Stutsky. Non, mais moi j'attrape de sacrées migraines avec des glaces. Je dirais tout ce que je sais si on me menace avec. En particulier, chocolat menthe. C'est vrai. Et comme les dames peuvent pas roter en public, il pourrait aussi lui faire boire des litres de soda pour lui donner des ballonnements. Mon Dieu. Ta maman le fait tout le temps. Ta mère n'est pas une dame. Ouais. Ah, je pense à un truc. Il pourrait... D'accord, d'accord, mais tout ça ne nous aide pas. Il faut que j'ouvre ce portail. Tac, suivant. Et voilà. Du coup. Tac. Oh là là.
Ok, on a dit, on aura des voitures à casser. Bon, je sais pas si on les fera. On est bien parti pour les faire. Mais non, on va pas les faire maintenant. On fera ça pendant le 100%. Mon dieu, regardez-moi la vitesse du 100% pièce. À laquelle il se remplit. Ok, bon. Du coup, hop, pour qu'on prenne le jerrycan. Vu. Voilà. On le met là. Encore quelques bidons d'essence pour mettre ce générateur en marche. Un autre là. Et enfin, le dernier doit être celui qu'on obtient là. Tac. Mais quelle idée de mettre un bidon d'essence dans une machine à laver. Pas étonnant qu'elle ait fini à la casse. Et voilà. J'adore le style de Chase, comme ça. Et voilà. Hop, on va activer ça. Parfait. Eh oh, regardez, tout roule pour moi. Que faire? Que faire avec ça? Ah! Ouais. Ok, ça c'est bon. Oh la pièce violette. Oh la pièce violette. Où on l'a vu la pièce violette? Tac. Je peux pas aller là-dedans, ok. Du coup. Oula, c'est vrai qu'on a dit d'éviter de casser la voiture. Je sais pas si vous avez entendu l'éternuement. Si c'est le cas, désolé. Salut. Voilà. Tac. Oh mon sang. Mais qui peut bien avoir besoin d'un frigo aussi énorme? Là on a une dynamite. Ok. Qu'on peut placer où? Qu'on peut placer là, ok. J'adore la... J'adore ce tenue. Franchement, la tenue Blimming, elle est trop classe. Enfin, la tenue déguisée. Allez, Toto, au pied. Tac, on va pouvoir ouvrir ça. Allez.
C'est le mec. Kane déguisé. Ok, donc on l'a débloqué. Ok. Je crois qu'on l'avait pas débloqué. Je vais pouvoir faire une autre super construction. Bah, allez, go. C'est parti. Ce modèle était une pièce de collection. Tant pis. Y a pas à dire, ça au moins, c'est une voiture très compacte. Ah, mais je peux l'utiliser pour monter sur ce tas de débris. Tac. Hop. Allez, fais quelque chose. Bon, ok. On va attendre 3 ans. Tac. Voilà. Hop. Ouais. Ah, c'est vrai que vous êtes avec moi. Vous êtes les Starkiewicz. Poussez-vous. Vous êtes les Starkiewicz du pauvre. C'est pas tombé loin. Faut pas oublier, hein. Les casses sont des endroits dangereux où il ne vaut mieux pas jouer. C'est compris? Bonne chance pour franchir le broyeur. Ah. Tac. Voilà, et en plus on a la pièce violette. C'est pas beau ça. Si c'est pas beau. Tac, on se fait livrer des pièces. Tac. Ça c'est une flèche discrète. Et voilà. Natalia craint les chatouilles. Quoi? Est-elle chatouilleuse? Une fois, un voyou m'a tellement chatouillé que je lui ai donné le code secret de ma carte de crédit. Oula! Tu m'avais dit qu'il t'avait menacé? Ouais, mais de plus de chatouilles. Alors, tu crains vraiment les chatouilles? Je pense même pas, Clutch. Tu connais déjà mon code, de toute façon. C'est toujours ton anniversaire. Tu l'as pas changé? Oh là là. Bah si, pour celui de ma sœur jumelle. Lol. Qui sont débiles, mais qui sont débiles. Bon, par contre, vous t'arrivez pas à grand chose, les gars. Merci à vous, les gars. À la prochaine. Tac. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Tac. On va vite fait. Hop. Ah oui, non, mais là, on peut pas le faire, ok. Tac. Pas mal pour quelqu'un qui a la trouille à l'idée de vidanger sa voiture lui-même. Hop. Et puis on a là aussi. Et si j'utilisais ces voitures comme plateforme? Dégage. Tac là. Merci à vous. Ok, du coup. Tac. Non, vraiment? Bah si, de là. Voilà. Voilà. Ah, ok. Donc il nous faut de la Lina. Il nous faut de la Lina. Lina qu'on n'a pas encore trouvée. Ah bah si, là.
Voilà. Poussez-vous. Tac. Kaboum. Ok, donc là il va nous falloir l'astronaute. Un téléporteur fait avec des bouts de ferraille. Si j'en ressors transformé en vilaine mouche, je sens que je vais faire la tête. Oh non, super, encore plus de sale type. Mais bon, j'ai l'air d'être dans le bon sens et dans le bon sens. Dégage. Dégage. Et dégage. Voilà. Parfait. Chase, sors-moi de là. Oula. Ok, je vais te descendre. Hop, désolé. J'ai mal choisi mes mots. Un petit peu. Oui, bah deux secondes, calme-toi. Oh là là, les gens qui me pressent, moi ça m'énerve. Dépêche-toi, j'ai mal aux jambes. Ah oui, ça par contre, ça je veux mieux le croire. Tac. Non. Je te fais descendre dans une minute. C'est pas trop tôt. Désolé. Oh, merci, je veux dire. Oh là là. Aimable. Tellement aimable. Faut juste que je trouve le bouton pour te faire descendre doucement. Bon, c'était pas celui-là. Il m'a fait manger de la glace. Je vous l'avais dit. Hé, hey, Stutsky, éclipsons-nous avant que le chef ne rapplique. Ciao, Chase. Merci, les gars. Oh. Et toi, reste en dehors de tout ça, Natalia. Je retrouverai ton père, je te le promets. Je ne veux pas qu'il t'arrive du mal. D'accord. D'accord. Ne t'attire plus d'ennuis. C'est promis. Hey! À partir de maintenant. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Oui, ok. Ok, bon. On va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode. Chapitre 9, on entame. Oh oh. J'espère en tout cas du coup, franchement, sincèrement les amis, que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vais te faire regarder quelque chose sur la carte. Est-ce que c'est marqué si je fais ça, c'est pas marqué le nom du niveau, ok. J'espère en tout cas du coup, franchement, sincèrement les amis, que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être tenu informé par notification dès qu'une vidéo sort. Vous pouvez également partager la chaîne de la vidéo, vos amis, pour que ceux-ci puissent me découvrir. Encore une fois, pour la cam, ça risque d'arriver peut-être sur quelques vidéos. Je pense surtout sur Lego, sur du Lego. Je pense que le reste devrait pas être impacté. Mais un petit peu, enfin surtout sur le Lego. Merci à tous. C'était Para. Allez, bye bye tout le monde. Rendez-vous très bientôt pour la suite de notre aventure sur Lego City Undercover. Allez, partagez la chaîne la vidéo à vos amis. Le petit like, le petit commentaire. Et bien évidemment, abonnez-vous. Activez la cloche. Bye tout le monde.